Bonjour à toutes et à tous, on se trouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va reprendre là où on s'était arrêté la dernière fois, c'est-à-dire la troisième mission du jeu. Cette fois, s'attaquer à la quatrième mission du jeu et je vous laisse avec le briefing. Sauf s'il y a quelque chose à vous dire avant. Trois jours plus tard, sud de Seattle, WA, USA. Mon amour, j'espère que cette lettre te trouvera en bonne santé. Dans mon cœur, je sais que quelque chose m'avertira s'il t'arrive malheur. Chaque jour est une épreuve quand tu n'es pas avec moi. Ma chère Natacha, je t'écris assis sur un tracteur comme ceux que nous avons dans les kolkhoz à la maison. Ils ne sont pas si différents de nous, ces Américains. On travaille à plein temps à l'usine. Je suis heureuse qu'Inessa ne travaille pas la nuit. De nombreuses usines ont été bombardées et j'ai peur qu'elles ne soient... Mais je suis un peu inquiet pour Kolia. Il est dur avec les hommes et quand j'essaie de lui en parler, il hausse les épaules. Il va falloir que je lui fasse comprendre qui commande. Et je pense à tous ces jeunes gens dont les mères sont mortes d'angoisse. Ceux qui servent avec toi ont de la chance, Volodia. Je sais que tu t'occupes bien d'eux. Je serai bientôt à la maison. Sache que je t'aime. Vladimir. En Amérique, nos vaillantes troupes progressent remarquablement. Le front s'étend ville après ville. Partout, nos troupes sont accueillies par des citoyens en liesse, heureux d'être libérés du joug de leur gouvernement. Le prolétariat américain nous rejoint dans les soulèvements spontanés et ce régime décadent. Le débarquement se passa bien au début. En quelques jours, nous avions sécurisé Seattle et détruit plusieurs régiments des territoires environnants. Nous étions heureux de bouger enfin après de longues semaines entassées dans des transports maritimes. Les Américains regroupèrent cependant rapidement leurs forces et nous commençâmes à nous heurter à des poches de résistance sérieuses. Après une courte offensive, ils se repliaient en nous laissant compter nos morts et nos blessés. Rapidement, la frustration de nous trouver dans un pays hostile loin de chez nous commença à peser sur certains hommes. Malachenko à Sokol 1. Cet endroit est trop calme. D'accord, capitaine. La rivière est l'endroit parfait pour qu'il se retranche. On a besoin de renseignements avant de continuer à avancer. Sokol 1 à Romanov. Avancez et explorez la zone. Attention aux embuscades. On ne perd pas le temps. On ne perd pas le temps. Infanterie prête au combat. À tous les éléments du bataillon. Dispersez-vous puis tenez la position. Romanov part en reconnaissance. Sokol 1 terminé. Malachenko à Sokol 1. J'aimerais que les Américains aient le courage de nous combattre. Je ne suis pas d'accord, capitaine. On manque de tirs de soutien pour l'engagement décisif. On peut faire sans ça. Mes hommes sont impatients d'en découdre. Je suis sûr que nous trouverons les Américains en temps et en heure, capitaine. Je l'espère. Nous les détruirons alors jusqu'au dernier. Malachenko terminé. Donc nous voici bien dans la suite. Encore aucun signe de l'ennemi. Je n'aime pas ça, lieutenant. Emmenez votre groupe à l'est et poursuivez la reconnaissance. Sokol 1 terminé. BMP-2 se dirige vers... Trusi Amerikanski. Pourquoi nous fuit-il? Patience, capitaine. J'ai besoin que vous gardiez la tête froide. Ne vous en faites pas pour moi, c'est l'ennemi qui doit s'en faire. Malachenko terminé. On y va immédiatement. Je fais une vraie reconnaissance, je reconnais tout. Toujours aucun signe des Américains. Ici Malachenko. Ils ne sont pas loin, je le sens. Je pense que vous avez raison, capitaine. Mais nous devons tout de même sécuriser ce pont. Romanov, votre objectif est de prendre le pont. La seconde compagnie viendra vous soutenir quand vous serez en place. Sokol 1 à toutes les unités. Continuez d'avancer vers la rivière, mais restez côté nord jusqu'à ce que le pont soit sécurisé. Compris, Tovarich Polkovnik. Malachenko terminé. Bien joué, lieutenant.
Tenez l'ennemi à distance. J'envoie le premier peloton vous soutenir. Ya, Sokol 1. Neutralisez l'ennemi pour que nous puissions utiliser le pont. On a déjà eu... On y va. On cible des tirs nourris. Fusilier, on y va tout de suite. À vos ordres. On engage la... On se dirige vers la destination. Destination reçue. On part. Hostile ciblé. Transport blindé. On y va. On est sur la piste. Blindé en... Prêt à l'action. On y va tout de suite. Bien reçu, on y va. Courez vers la destination. Fantassin en route. Dépêchez-vous d'envoyer les unités à bord. Donnez-nous vos... On se dit... Hostile engagé. Destination reçue, on part. Tavarish commandier, nous on se dirige vers la position. Affirmatif, on y va. Le pont est sécurisé. Bien joué tout le monde. Traversé par compagnie. Je veux une formation en col. Ici Malachenko. Des chasseurs approchent. Ils foncent vers le pont. Shurk Poubiri, évacuez le pont. Évacuez le pont. Ouf, ils ont de la chance eux. Le second peloton annonce 10 minutes de retard. Salaud! Dites à Petrov que je lui colle une balle dans la tête s'il n'est pas là dans 5 minutes! Attention! Sokol! Ici Chipovnik! Mes jambes sont encerclées, on a besoin de renfort immédiat! Prior! Chipovnik, je connais la situation. Menez vos troupes au guet de l'ouest et traversez! Romanov créera une diversion. Sokol, nous n'avons pas le temps pour des diversions et des manœuvres de flanc. Je veux un pont. Je vous le répète, vous devez flanquer l'ouest, Chipovnik. Sokol, terminé. Blind, blind, blind. Dites à la seconde compagnie d'aller vers l'ouest. On se retrouve au guet. J'espère que ce vieux fou sait ce qu'il fait. Romanov, lancez une attaque de soutien sur le guet est pendant que la seconde et la troisième compagnie flanquent l'ouest. Nous devons soutenir nos camarades de l'autre côté de la rivière. Prêt à l'action. On dirait que les Américains prennent enfin position. Attendez-vous à une dure résistance. Je vous donne un soutien de blindés légers. D'après les rapports, un char M1 Abrams est dans la zone. C'est le plus dangereux des chars américains. Détruisez-le si vous pouvez. On est sous le feu ennemi. Il nous engage. Un gars prêt à attaquer l'ennemi. Chargez vos grenades et feu. Le feu ennemi ne coule plus. On cible des tirs. Unité éliminée. Que voulez-vous, Tavarish Commandier? Fusilier, attaquez. On est sous le feu ennemi. On a besoin de soutien. Vous avez des pertes. On y va. Tavarish Commandier, nous sommes prêts. Bougez-vous. Baissez la tête. Allez, allez. Unité éliminée. Nouvelle destination. À destination des coordonnées reçues. On va engager le... Kovarit Malachenko, mes hommes sont harcelés par l'ennemi. Je croyais que Romanov devait les éloigner. Romanov attaque le guet comme prévu. Une percée d'un côté ou de l'autre forcera les Américains à battre en retraite. Compris, mais ça ne suffit pas. Je veux qu'on établisse un pont mobile. Demande refusée, capitaine, une fois de plus. Si on vous envoie un pont mobile, il sera détruit. Mais nous devons traverser la rivière. Nous le ferons au guet. Sokol 1, terminé. Malachenko Nesviage, nous engageons l'ennemi au guet du nord. De l'autre côté, mes hommes sont complètement encerclés. Ici Sokol 1, on va vers eux, capitaine.
Romanov devrait rapidement attirer une partie de leurs forces vers l'est. Il a intérêt. Malachenko, terminé. Cet Abraham, c'est une menace sérieuse, Romanov. Détruisez-le si vous pouvez. Comment pouvons-nous vous aider? Donnez-nous vos ordres. On est sur la piste. Départ du transport blindé. Reçu, Tovarich Commandir. Poursuivre en AT-5. Bien. Chaque perte d'un char de ce genre est un coup sévère porté aux Américains. Besoin d'un char rapide, on ne perd pas le temps. Que sommes-nous censés faire? À vos ordres. Blindé disponible, on va nous ordres. On est en plein combat contre l'ennemi. En cours. On va réparer ça. Transport hostile ciblé, que sommes-nous censés faire? Donnez-nous vos ordres. Cible acquise. On a l'hostile en ligne de mire. Comment dire? On est avec vous. On ne perd pas de temps. Hostile vaincu. PT 76 au départ. À destination des coordonnées reçues. On va sur les nouvelles coordonnées reçues. On ne perd pas de temps. Nous sommes prêts, Tomaric Commandi. AT4, AT4, sur la cible, l'ennemi. On tire le missile UFAB en route. On tire le missile sans tarder. Elles sont les proches. Verrouillés, feu. Blindé, on a bien reçu les coordonnées. Le camarade sera bientôt fonctionnel. Donnez-nous vos ordres. PT 76 disponible. Attaquez cette cible. Blindé disponible, Tomaric Commandi. Verrouillé, blindé à destination des coordonnées. On y va tout de suite. Tomaric Commandi, destination reçue. Véhicule de réparation, on est sur la piste. Que sommes-nous censés faire? Attention, nous avons détruit cette fortification. Commence les réparations. Que sommes-nous censés faire? Tomaric Commandi. Où nous sommes-nous censés faire? On initie les réparations. Donnez blindé en déplacement. On force droit blindé devant. Disponible, Tovaric Commandir. Ici VAP, reçu Tovaric Commandir. Va immédiatement. Nous avons le contrôle du gué nord. Retranchez-vous, Romanov. On y va immédiatement. Reçu Tovaric Commandir. Véhicule de reçu, Tovaric Commandir. On répare nos propres blindés. On lance le missile sans missile. On lance le missile sans tarder. On y sera bientôt. Véhicule en cours de réparation. Tovaric Commandir. Missile verrouillé. Périmètre cible de l'avant. Pas de problème ici. Réparation en cours. On commence les réparations. On a neutralisé le véhicule. On va réparer ça. Quels sont les prochains ordres? Tovaric BMP2 se dirige vers la nouvelle tire sur l'ennemi. Lancement de missile AT-5 en cours. On va vers la préparation en cours. Tovaric Commandir, on est avec vous. Tirez le missile, sans tarder. On tire le missile, Feu. AT-4, on se dirige vers la destination. Transport, on est sur la piste. Quels sont les On commence les réparations. Le véhicule en cours de réparation. On a neutralisé l'ennemi. Machine en cours de réparation. Excellent, lieutenant. Je vous envoie d'autres renforts. Capitaine Malachenko, quelle est votre situation? On a percé les lignes ennemies. Les Américains battent en retraite. Compris. Faites la jonction avec vos hommes et définissez un périmètre. Romanov. Je veux que vous alliez au sud et que vous éliminiez les forces ennemies dans la grande ferme. Bon alors, on va continuer à appeler une nouvelle troupe. Moi, je continue à appeler ces unités parce que je les adore. Donc toujours plus de BTR. Hein. Donc voilà, comme vous voyez, il faut vraiment être patient pour cette mission, j'ai pas grand chose à dire, vous voyez, vous avancez un peu, vous protégez.
Ici VAP, à destination des coordonnées reçues. Écraser tout ce qui bouge. Oh, normalement, ce qui est conseillé en fait, la meilleure portion de en campagne, c'est de faire des groupes de 4. Qu'ils ont une bonne puissance de feu, une bonne mobilité, tout ça. Faire plus, c'est plus compliqué. Mais bon, moi j'aime bien en fait regrouper par type, voilà, par exemple, toutes mes unités d'attaque type ensemble, ça m'évite en fait de devoir y rechercher. C'est bon, c'est qu'une question, c'est qu'un avis personnel ça par contre. Hein, je joue comme je pense. Hein, moi j'aime bien jouer dans ce style-là, donc je continue à jouer dans ce style-là. Hein. D'autres ont peut-être des stratégies peut-être beaucoup plus efficaces. Mais... Les Américains relancent leur attaque du sud-ouest. Compris, capitaine. Pouvez-vous tenir? Nous tiendrons, quoi que ces salauds envoient contre nous. Bien. J'ai l'armée de l'air en ligne. Ils nous donneront bientôt la priorité. On n'a pas besoin de leur aide. Les Américains ne tarderont pas à se débander. J'en suis sûr, capitaine. Mais une aide aérienne est toujours la bienvenue. Sokol 1, terminé. Ici Sokol 1. Nous avons une grande concentration d'unités ennemies à la ferme. On nous donne enfin la priorité pour les frappes aériennes. J'en demande une immédiatement. Sokol 1 à Romanov. L'armée de l'air va s'occuper des Américains. Assurez-vous que vous avez quitté la zone. Vous laissez venir. Ils vont rayer de la carte cette position. Maintenant vous avancez à votre place. Malachenko à Sokol 1, qu'est-ce qu'on fait pour ce pont? Romanov va sécuriser le périmètre et réparer le pont. Protéger le flanc sud-ouest. Personne ne doit passer. Malachenko terminé. Sokol 1 à Roman. Bah, j'ai passé ça. Je m'en excuse, mais je vais me permettre en fait de le laisser. Parce que le décompte passe en fait. Gros, ils disent ce commun à Romanov, à sécuriser le pont. Si vous le pouvez. Vous n'avez pas beaucoup de temps. Sokol 1 terminé. Il faut rapidement. Faire les autres aussi. On est avec vous. Transport blindé prêt à partir. On ne perd pas de temps. Ici Sokol 1. Le pont est réparé. Vous êtes libre de faire traverser vos unités. Sur ce périmètre. Tovaric, commandir. On est avec vous. Blindé disponible. Tovaric, commandir. Blindé prêt à partir. On ne perd pas de temps. Voyez. Romanov, accélérez le déploiement de vos défenses. Les Américains approchent. À destination des corps de Tovaric, commandir. On y va immédiatement. Ah, c'est pour ça en fait qu'il faut vraiment se dépêcher sur celle-là. Je m'excuse quand même d'avoir coupé ce dialogue, mais. Je ne peux pas me permettre de le laisser en fait. On ne perd pas de temps. Donc en gros il répète, il dit Romanov à aller sécuriser le pont. Comme vous voyez, la force principale n'est pas loin. Parfait. Une défense en profondeur est toujours la meilleure option contre une attaque concentrée. Ici Vab, quels sont les ordres? Mais dis donc, j'ai de la chance là. Ah je sais, bah d'habitude justement je laisse le dialogue, ça m'enlève déjà une vingtaine de secondes. Hein. Ce qui est énorme. Ça m'enlève une vingtaine de secondes, donc 20 secondes en moins, vous voyez, j'ai fini 30 secondes avant, c'est vraiment limite. Donc voilà, en gros vous envoyez 3 ici. Voilà, vu que moi j'ai 6 transports BMP2, 3 ici, 3 ici. Vos 4 autres unités, vous envoyez 2 là, 2 là. Ils vont s'occuper. Après, une fois que vous avez fait ces 2 là, vous faites les 2 là. Et après, vous les mettez sur ces places là pour faire les dernières. Tovaric, commandir. BMP2 disponible. Commandir. On est avec vous. Ici Malachenko. Nous engageons une force ennemie. Estimation 1 bataillon. Et je vois un autre groupe qui s'avance vers le pont.
Vous devez tenir, Romanov. Sokol 1, terminé. Donc, comme vous voyez, ils envoient beaucoup de chars. Beaucoup. Ah, c'est pour ça, sur ce gars, il y a beaucoup de personnes qui conseillent d'avoir beaucoup d'infanterie anti-char. Le haut commandement a finalement décidé de nous concéder des tirs de soutien. Une section de mortiers et une escadrille de SU-25 sont en route. Moi, je vais utiliser clé SU, en fait. Parce que le mortier léger, c'est efficace uniquement contre les cibles légères. Govorit Malashenko, les Américains attaquent en force. On a au moins un régiment en face. Constatez qu'il n'y a pas tant de cibles légères que ça. Bien, hein. Sokol 1. Le deuxième bureau affirme que c'est la garde nationale de l'Oregon. Nos ordres sont de les clouer sur place et de les détruire. On les tuera jusqu'au dernier. Malashenko terminé. Donc voilà. Là, vous avez en fait réussi à faire le coup dur. Hein. Vous avez survécu à l'attaque initiale. L'attaque américaine ne faiblit pas. Vous devez tenir ce pont, Romanov. On va quand même faire ça. Que je vois qu'ils appellent de plus en plus d'infanterie, donc ça peut toujours être gênant. Ils ont tué une unité. C'est pas trop gênant qu'ils vous pètent des unités, vous pourrez y remplacer après, hein. Bon, même en même temps, hein, s'il y a de bon. L'attaque ennemie est terminée. Ils battent en retraite. Ne leur donnez aucun répit, Romanov. Contre-attaquez immédiatement. À tous les éléments, Sokol 1. Les Américains se replient. Avancez et détruisez-les. Sokol 1, terminé. En fait, là, je vous coupe pas les dialogues, en fait, je vous coupe juste le fait qu'ils se replient. Là, j'essaie en fait de les détruire en se repliant. Ce que j'ai malheureusement échoué. Je vous montrerai pas tous en fait ça, ce que ça prend, ça laisse comme je vous ai dit un peu plus tôt, vous êtes tous invités. Le temps il continue en fait, à côté. Voilà, cercle là, il se replie, mais vous pouvez par exemple, il m'arrive assez souvent là quand il se replie, détruire un ou deux chars en plus. Parce que bah, justement, je rebondis un ou deux missiles dans le dos et voilà, ça y est. Très bien, Romanov. Consolidez votre position avant d'aller de l'avant. On ne peut pas se permettre de perdre le terrain que nous venons de gagner. Ici Malashenko. Nous avons détruit une compagnie méca ennemie. Nous poursuivons notre progression. Bien joué, capitaine. Ne les laissez pas filer. Sokol 1, terminé. Le capitaine, il est juste là. Alors en fait, le gros problème que vous aurez, ce sera surtout les chars. Les moyens que vous pouvez affronter. Bien joué, lieutenant. Maintenant, poursuivez l'attaque. Malashenko à Sokol 1. Nous sommes maintenant à la position 4 et nous affrontons des forces légères. Compris. Tenez la position. Sokol 1, terminé.
module de réparation. On part. On a pour le rang de missiles sans tarder. On y va. Sommes-nous censés faire des missiles carrés sur la cible. En route vers ce périmètre. On est sur la compris. Elles sont en force. Toi, donnez-nous un déplacement. Ici, Orotnik. Cible de char ennemi. On y est presque, Romanov. Dressez des fortifications. Ici Malachenko. Demande permission de poursuivre l'ennemi. Niet, capitaine. Nous devons conserver le périmètre. Nous avons porté un coup sévère aux Américains. Cela suffira pour aujourd'hui. On va réparer ça. Préparation en cours, transport blindé disponible. Tovarich commandit. Si vraiment vous voyez vous avez des tonnes de points, vous pouvez vous permettre de leur tirer. Voilà. Comme je récupère ça rapidement, vous voyez, je répare quand même très vite comparé à une vieille char. Tout le temps, on fait d'être toujours efficace. Vous avez besoin de véhicules, on y va immédiatement. Reçu, le camarade sera bientôt à rôle. On initie les réparations. On a la maîtrise du terrain. Le passage de la rivière est sécurisé et le reste du régiment peut traverser. Bravo à tous. Sokol 1, terminé. Comme vous voyez, vous gardez votre sang-froid et la mission se passe très très bien. Elle n'est pas si compliquée que ça. Les hostiles ont été touchés. Bon, au moins nous avons réussi, hein. Nous avons agrandi le périmètre autour de cette grâce à une victoire décisive contre les Américains. Nous pouvons nous concentrer sur la pacification des zones sous notre contrôle et préparer la phase suivante de notre plan. Bien joué, camarades. Dans cette mission, en fait, le gros problème qu'il y a, c'est que les ennemis ont des Abrams, ces mains. C'est des chars lourds et des chars moyens. Vous n'avez que des chars légers, donc soit vous... Au lieu d'avoir autant de chars que moi, vous préférez avoir des infanteries lance-roquettes. Ce qui vous permettra d'avoir une meilleure efficacité contre eux. Dans ce cas, il faut vraiment les protéger contre l'infanterie ennemie. Soit vous attendez, comme vous essayez de détruire le premier Abrams, son objectif secondaire, puis vous attendez les frappes aériennes pour détruire tous les chars lourds. Ça sera au niveau du gars que vous aurez vraiment une difficulté, mais ça, après, une fois que vous avez vu, une fois que j'ai soutenu rien, c'est plutôt bien passé. Et c'était tranquille. Donc ainsi, nous avons eu le badge excellence des éclaireurs, nous avons eu la médaille pour les services de combat. En vrai, statistiques, regardons un peu ce que nous avons là, score de réparation. Voilà, j'en ai fait. J'ai détruit 11 cibles avec une frappe aérienne AC. Meilleur raid aide tactique critique. C'était vraiment en urgence, j'avais besoin de ça, donc voilà, c'était magnifique ça. Une fois que vous maîtrisez vraiment les frappes aériennes AC, c'est une compétence qui consomme quasiment rien et vous pouvez faire beaucoup de dégâts avec. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. D'ici là, portez-vous bien et vive le jeu vidéo.